Salut tout le monde, c'est Ludo. Après le petit coup d'essai avec la pose des tuiles du premier rang sur la vidéo précédente, il est temps de passer à la vitesse supérieure, enfin faut le dire vite fait, vous allez comprendre. Je vais désormais poser les lithos au-dessus du premier rang, pour cela, après avoir choisi mon bureau, et ne vous inquiétez pas, je vais y revenir un peu après, je fais deux repères au-dessus du litho précédent, puis mets un coup de cordeau traceur afin de tracer la ligne droite entre ces deux points. Quelques pointes plus loin, je répète l'opération le nombre de fois nécessaire. Je passe ensuite au nettoyage des tuiles, je vais faire petit à petit, au fur et à mesure de leur utilisation. Je commence par mettre un coup de nettoyeur haute pression pour retirer le plus gros des mousses et lichens. J'ai installé deux bâches dans ce chemin en pente, l'eau qui ruisselle dessus finira directement sur un petit carré de pommes de terre en contrebas, ainsi peu d'eau va se perdre inutilement. Après ce premier dégrossissage, je vais les frotter une par une de façon plus ou moins importante, selon leur état, après le coup de jet d'eau. Pour cela, je vais utiliser un spray rempli de vinaigre blanc et des éponges gratte-gratte, ou plus communément appelées éponges à récurer, comme utilisé il y a quelques vidéos avant l'application de la peinture cuivrée. J'en profite aussi pour installer un nouveau disque sur la grosse disqueuse, celui en place que vous connaissez bien, c'est celui qui a un moyeu déporté et qui me permettait de découper mes pierres dans les vidéos précédentes, mais il a été bien éprouvé par les quelques coupes de tuiles du premier rang, il n'est pas du tout adapté à ce type de matériau, c'est vraiment flagrant. En effet, je l'avais déjà lu auparavant, mais un disque diamant pour matériaux durs ne sera pas adapté pour des matériaux tendres
et je le confirme. Je ne pense pas exagérer, mais j'ai autant usé le disque lors de la découpe des 4 tuiles que pour la découpe de tous mes encadrements en pierre. J'ai donc acheté un disque spécial tuile, et ça change la vie. En plus de ne plus user ou très peu, la découpe se fait même sans aucun effort et à grande vitesse. Une petite coupe pour la première tuile, et c'est parti pour le deuxième rang. Je pose un premier paquet de tuiles, puis un deuxième. Bon, il y a vraiment un truc qui cloche. Revenons au terme puro que j'ai utilisé lors de la pose des lithos. Le puro est la distance entre deux lithos et cela définit la longueur de croisement et pour être plus précis, de recouvrement lors de la pose des tuiles. Ce puro, souvent variable, permet de faire coïncider le nombre de rangs de tuiles avec la longueur du pan de toiture afin de tomber sur un nombre entier de tuiles ou éventuellement une tuile demi-puro à la fin, soit une tuile deux fois plus courte, et éviter la nécessité de faire une coupe. Il dépend donc évidemment du modèle de tuile. Sur cette illustration, le puro peut aller de 330 mm à 360 mm. Dans mon cas, j'ai cherché une tuile losangée qui au premier abord semblait très similaire et sur la fiche technique, le puro va de 33 à 37 cm. Grosse erreur et c'est ma faute. L'ancienne toiture du mini château était recouverte de deux principaux modèles de tuiles losangées, j'en ai choisi un, avec des losanges plus finement dessinés, sauf qu'au sein de ce modèle, j'ai encore deux types de tuiles. Je pense avoir une version plus ancienne, puis une autre un peu modernisée, mais pour autant, qui a dû sortir de l'usine de Sainte-Foy-l'Argentière il y a déjà un paquet de décennies. Comme vous pouvez le voir, le modèle plus ancien dispose de deux butées empêchant toute variation du puro, ou en tout cas tellement faible qu'on peut, je pense, dire qu'il est fit. Contrairement à la variante de cette tuile, qui n'a plus de butée et permet donc de faire de très gros croisements. Et bien sûr, les 34 cm ne tombent pas bon. La production de tuiles de l'époque était a priori beaucoup plus artisanale. Nombreuses sont les tuiles légèrement cintrées, il peut même y avoir de gros grains piégés, mais pour autant, ces tuiles sont encore très résistantes. Allez, je suis bon pour retirer mes lithos, pour redéfinir l'écartement entre eux. Heureusement, je n'avais posé que ce pan de toiture. Une fois lancé, je suis parti pour de bon. J'enchaîne les nettoyages de tuiles, décalage de lithos et pose des tuiles.
Je perce les tuiles des arêtes pour les maintenir par des vis. J'utilise un fourré béton carbure classique, qui lui aussi, tel mon ancien disque diamant, s'use très vite. La terre cuite utilisée était autrement plus abrasive que de la tuile moderne qui, d'après mes souvenirs, se coupe et perce, il me semble, sans gros soucis avec du matériel classique. En tout cas, là c'est très laborieux et la percussion est à proscrire évidemment. Le week-end qui suit, je vais attaquer par la pose de l'arrêté entre les deux faces au couvert. Il me restait des closeurs ventilés des fêtages de la Jorange, je décide de les utiliser, d'autant plus que j'ai décidé d'utiliser des demi-tuiles Omega pour le réaliser. Elles sont moins recouvrantes que des tuiles fêtières généralement utilisées pour cela. Cependant, je la préfère car plus discrète et moins volumineuse, la demi-tuile ira donc parfaitement. Il me manque une coupe pour poser le reste du closeur, c'est l'occasion de vous montrer l'utilisation de nouveaux fourrés pour percer mes tuiles, car j'en suis déjà à deux fourrés carbure qui ne coupent plus. Celui-ci est recouvert de diamants et creux en son centre, il est prévu qu'il soit utilisé avec de l'eau et vendu pour percer du carrelage et céramique. Eh bien, quelle délivrance, cela perce bien et maintenant que j'ai un peu de recul dessus, il s'use très peu en comparaison avec le carbure. Je pose aussi un morceau de volige afin de visser facilement des tuiles que je réduis fortement pour tomber sous mon futur fêtage. Puis pose le complément de closoir et les quelques demi-tuiles que j'ai en stock. Un petit coup pour découper la jupe en plomb qui est un peu trop longue et on arrive au bout de cette première partie de la pose des tuiles. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt sur Rénovome.